Allez, donc bonsoir à tous, on se retrouve donc sur la VSL CMTV pour donc cette seconde saison tout simplement des ESL VSEA Pro League. On va disputer donc ce soir hein, le match très clairement donc de Titan vs TSM. Composition donc des équipes chez Titan, on retrouve donc Scream, RPK, Smith, Existence et Shox. Et pour TSM, donc, ce sera Karrigan, Cajun, Device, Zip et Dupré. J'espère que vous allez tous très très bien. Moi, ça va plutôt pas mal. Je vois que tous les serveurs viennent d'arriver, donc tous les joueurs, pardon, viennent d'arriver donc sur le serveur. Ce sera donc sur Cobblestone, BO1 de ce soir, premier BO1 de cette soirée. On va en enchaîner pas mal durant cette soirée. Moi, en tout cas, je serai là donc juste pour Titan. Et TSM, pour ceux qui me connaissent pas, je suis juste, c'est Blaise. Je vais caster ce match. Et donc je serai en votre compagnie donc jusqu'à 20h. Voilà. On va attendre que tout ça se lance tranquillement. En espérant voir des beaux petits moves de la part des deux équipes. Pour des pronostics, personnellement, je vais pas m'avancer là-dessus. J'ai envie de voir un très beau jeu des TSM qui risque franchement de, je pense, embêter un petit peu les Titans. En tout cas, voilà, c'est quand même un match assez sympathique en tout cas. Donc j'attends de voir ça avec impatience. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? En plus, Cobblestone, personnellement, une map que j'aime beaucoup parce que vraiment, c'est pas une map. C'est vraiment pas une map très très jouée. En tout cas, je sais que pour ma part, c'est une grosse map, une map très très ouverte, on va dire. Une énorme map, même vraiment une grosse map à strat en tout cas. Et je compte vraiment là-dessus pour pouvoir analyser un petit peu le jeu de chacun. Donc voilà, si vous avez donc des commentaires ou des questions par rapport à tout ça, ben surtout n'hésitez pas. En tout cas, le redémarrage du match qui vient de se faire, on va pouvoir partir donc sur ce round knife directement entre les deux équipes. Alors, ça s'est bien lancé déjà au niveau de Summit pour l'instant. On voit que les Titans prennent énormément de terrain. Alors, ça va attaquer sur le flanc droit. On a déjà Smith qui vient de faire. Oh là 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 là, les Titans on fire juste. Les Smith qui a pris le premier cut déjà et ça s'est enchaîné très très vite. Hein. Du côté des Titans, les TSM qui n'ont rien pu faire tout simplement au niveau de son knife. On va donc commencer à Cityside directement côté français. Et franchement, c'était vraiment assez vraiment fast hein, au niveau de ce knife, ça a vraiment pas traîné. C'était vraiment assez sympathique du coup. Donc grosse map de défense pour débuter côté Titan. En espérant que le TSM vous nous ramener du lourd en tout cas. Côté T-Sup, on est déjà parti au niveau de GR pour l'instant. Un gros rush au niveau de cette cuvette pour l'instant côté TSM. Attention, le stuff qui vient de poser déjà du côté du PPA. Allez, on peut voir déjà, ça en est déjà passé. Hein, on est vraiment bien passé. Attention, Kajum qui peut prendre l'instinct du pré, qui va prendre l'entry kill déjà sur RPK. Kajum qui enchaîne également sur Exist. Ça s'est très très bien joué. Scream pour l'instant, tout seul malheureusement. Scream qui va prendre un double kill. Bah, qui ne tombera malheureusement, qui va tomber très très vite. Là. Un GR aussi, hein, très très fast. On a perdu que deux armes côté. On a deux côtés. Que deux pistoles hein, côté TSM. Et comme je vous disais, hein, les TSM qui sont vraiment pas une équipe à négliger. Donc le premier GR donc de remporter par la team Solo Mid. On va pouvoir enchaîner directement. On a acheté donc du Gali, la Mac 10 pour Kajum. 3 AK directement sur Device Gip et du Pré. Et on est en force buy hein, côté Titan. On est en force buy. On a sorti un bon gros deagle hein, chez Scream. Assez connu pour ses One Bullet. 2 CZ, un 5-7 et un P2. Attention comme je disais, hein, c'est quand même du force.
C'est du fort, hein, côté titan. On a donc du Kevlar et du Kevlar casse pour certains, notamment Smith et Scream. On est très bien passé au niveau de ce BO. Oh, zip, zip le one ball sur Scream pour directement pour l'instant. Scream qui va être complètement game over directement donc dans cette deuxième manche. Il reste 1 minute à jeu pour l'instant. Ça se passe plutôt très bien. La force qui ne va pas passer. Karagan qui enchaîne sur XD. Karagan, double kill de la part de Karagan. Smith qui enchaîne également sur Device. Heureusement, ça ne suffira pas. Kajum qui prend le revenge. Karagan qui prend le skill sur Smith. Et ça fera donc 2-0 pour les TSM. Et ça se passe donc très très bien pour l'instant côté. Côté donc TSM. Allez, on est reparti donc directement dans cette troisième manche. Donc côté TSM, toujours. Pour l'instant, donc côté TSM vs Titan. 1 minute 30 à jouer. On est reparti du nouveau au niveau de cette longue baie. Pour l'instant, Device qui va essayer un triple kill. Voilà, Device, premier kill sur Exit, Exit qui enchaîne également sur RPK, ça va pas traîner, Smith qui va prendre quand même un revenge, Kajim, double kill de la part de Kajim sur Smith et sur Scream, il ne restera plus que Shox, malheureusement Shox qui est très très mal placé, il est au niveau de ce transfert, il va peut-être pouvoir prendre un ou deux kills sur, sur le backup des TSM. Heureusement ça sent déjà bon le 3-0 côté TSM, mais attention la game n'est pas finie, hein. On est vraiment pas, c'est vraiment pas terminé. On n'est que dans les trois premiers rounds, faut pas se leurrer. On espère vraiment une remontée de la part des Français assez vite. Les Shox pour l'instant toujours contact au niveau de cette double porte côté connector. Donc il va finalement exploser, peut-être un kill sur Kajum. Non, malheureusement ça ne passera pas. Les Shox qui va tomber, tous les balles de Kajum, ça fera donc 3-0. Allez, quatrième manche très très importante, hein. Il faut que Titan se motive et que puisse revenir au niveau de ce match, on a donc sorti un AWAP sur Shox, sans Kevlar malheureusement, le côté monnaie on lui dit stop hein, très clairement. On a donc 4 M4 et une AWAP que je disais côté Titan et full AK, assez surprenant, donc côté TSM on n'aura pas sorti d'AWAP. Allez, c'est du gros rush, hein. C'est vraiment du très très gros rush côté TSM. On a déjà sorti le stuff, les smokes qui sont très très bien placés. On va essayer de prendre un entry kill. Karagan qui est très mal placé malheureusement. Smith qui a pris un entry kill sur Karagan, ça c'est très très bien joué. Smith qui s'en sort à 41 petit HP. Fox, il y a une très très bonne ligne également, une mini ligne, hein. Vraiment une mini ligne de rat. Exit pour prendre la bonne tête sur Device, c'est pas fini hein, du côté de ce BPB. Kajun qui s'élance, qui va peut-être pouvoir prendre un kill, c'est Dupré qui va s'en occuper sur Smith. Donc Kajum s'infiltre au niveau de cette smoke. On a été repéré, voilà, RPK pour prendre la bonne tête sur Kajum, ça c'est très très bien joué. C'est du 3v2, Dupré qui va prendre la bonne tête sur RPK, on est toujours en 3v2, donc avantage côté Titan, il reste 50 secondes à jouer. On a call le backup un côté Titan. Pas fini. Allez, Dupré peut-être pour prendre un bon kill, Exit qui va prendre le bon kill tout simplement sur Exit, c'est du 3v1, malheureusement le clutch signé Dupré peut-être qui va s'annoncer. Allez Dupré, non, ce sera pas, ça va pas finir comme ça du coup, les titans qui se réveillent, qui vont prendre le first round finalement, sur ce round armé, c'est très très bien joué de la part des Français, une bonne défense qui s'est installée du côté de ce BPB. Et on va donc repartir sur un round d'armée de nouveau côté TSM. Pour l'instant, c'est plutôt bien. Il faut planter absolument cette bombe ou mettre le prochain round. Sinon, on risque de se trouver en écho la monnaie qui est pas folle hein, côté TSM. Allez, on a sorti un P90 sur RPK. On a récupéré donc deux AKs côté Titan, une M4, une AWAP. Et on est reparti nouveau du côté de ce BPB. Hein. Pour l'instant TSM qui est vraiment en mode love, hein, j'ai envie de dire, du côté de ce BPB. On sort le stuff, les très bonnes smokes qui vont partir du côté de cette fontaine également. Allez, on est deux, hein, on est deux à la défense. Allez, Smith pour prendre la bonne tête sur Karagan, ça c'est très très bien joué. Dupré qui enchaîne, peut-être qu'il va prendre. Il est overblanc notre ami Dupré qui va finalement prendre le bon kill sur RPK, ça c'est bien joué. Il s'entoure à 6 HP, c'est pas énorme, c'est du 4v3, toujours avantage côté français. Attention à Smith qui est très bien placé, Exit pour prendre le bon kill sur Dupré, Scream qui enchaîne également, One Ball sur Device. Allez, 4v1, Kajun qui est tout seul malheureusement. Attention à pas de se faire prendre. Allez, Kajun pour prendre un bon kill, finalement Smith qui décale.
sans trop de problèmes. 3 à 2, toujours en avantage côté, côté TSM. Les Titans qui se réveillent, ça fait plaisir. Et du coup, on force, hein, on n'arrête pas. En force, hein, côté TSM, sans trop de complexe. On a 2 AK, 3 AK même, un Tech 9 et un CZ. Et on va repartir peut-être du côté de ce BPA cette fois-ci. On va essayer de régérer. On voit que la défense pour l'instant côté BB, côté B ne passe pas. Pour direction copain, total, pardon. Petit contrôle assez classique, donc côté terroriste. On a notre ami Dupré exit pour l'instant pour pouvoir off ce B. On est 3 à la défense, on a RPK qui est au niveau de ce Skyfall, Exi également qui est très très low HP. Il se retrouve à 16 HP malheureusement. C'est pas fou hein, c'est vraiment pas fou. Commencer un round à 16 HP ça fait vraiment mal. Allez RPK pour prendre déjà 7 entry kill donc sur Xib cette fois-ci. Ça c'était bien joué, c'était au niveau de ce Skyfall il me semble. Allez Scream qui est très bien positionné également au niveau de cette Longa qui va peut-être pouvoir prendre Karrigan. Ah Dupré qui se prête malheureusement qui ne tout qui ne finalisera pas. Il ne finalisera pas sur notre ami Smith. Attention Divas qui va s'avancer au niveau de cette longue. On va essayer de le bait. On va essayer de les bait hein, ces titans. Voilà, Shock sera bien très très bien positionné. Il reste 37 secondes. Ça va essayer de déclencher au niveau de ce BPB. On a Smith et RPK là, à la défense. Résume peut-être pour prendre un bon kill. Attention à notre ami Smith qui est très très bien positionné. Je pense qu'on s'en doute un petit peu côté TSM qui est positionné ici. Allez, Dupré pour prendre le bon kill sur Smith. RPK qui va finaliser le bon double kill. Très bien. Très très bien de la part des Titans. Et on remonte, on égalise finalement entre ces deux équipes. C'est pas terminé. On a les Titans qui se réveillent. Et du coup, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. On va partir finalement du coup quand même sur un round d'écho côté, côté TSM. On va prendre une seule smoke et à mon avis ça va courir. Ça va pas courir, ça va pas s'arrêter. Côté donc de ce BPB, on a Karrigan qui va s'avancer tout seul au niveau de cette cuvette. Karrigan qui lui va faire le lecker à mon avis. On va essayer de prendre le back sur... Non, ça ne marchera pas. Shox qui était là, bien positionné pour prendre le kill sur Karrigan. Allez, Smith pour prendre ce premier kill. Smith qui va finalement tomber sous le one de la part de Dupré. Ça a été cool hein, le backup déjà. Oh Kajum, énorme one de Kajum sur Xy. Et RPK toujours aussi là, toujours présent pour cette défense du coup qui va prendre le double kill tranquillement et finaliser, ça fera le quatrième round pour les Français. Allez, huitième manche, c'est pas fini. C'est pas fini, on va pouvoir buy du coup donc côté TSM. On a sorti cette fois-ci la WAP sur Kajum, on a 4 AK. Shox pour l'instant qui ne lâchera pas non plus la WAP qui va s'avancer au niveau de cette cuvette. On va peut-être pouvoir prendre un entry kill au niveau de ce mid. Allez Divas qui s'est avancé au niveau de cette smoke dans cette longue B. Peut-être pour prendre un kill. Oh Divas, ça c'est sale ça. Ça c'est vraiment sale. Le one qui passe sur Smith pour l'instant, ça c'est bien vu. Allez Shox pour Revenge donc Device, ça fait du 4 contre 3 pour l'instant. Très très bien équilibré. On va essayer de, à mon avis, on va essayer de bait hein, côté TSM. On a toujours Xip et Karrigan pour l'instant. Karrigan qui est passé au niveau de ce BPB. Karrigan pour prendre un kill. Voilà, c'est très très bien joué ça sur Xip. Oh, il l'a vu. Oh, Shox, ça c'est dommage. Shox qui était très très bien placé, malheureusement, qui n'avait pas la bonne ligne. Shox. Il va tomber sous les balles de Karrigan, Xip qui enchaîne également sur RPK, Dupré pour prendre la bonne tête sur Scream et du coup les TSM qui ne disent pas non et qui ne disent pas défaite tout de suite, on réégalise directement en 4v4, c'est pas terminé. Je vous ai dit hein, vraiment entre ces deux équipes ça risque d'être très très chaud. C'est pas terminé du coup, force buy côté Titan, on a sorti de nouveau un AWAP sur Shox, Exi pour prendre une M4, on a sorti le bon gros Max 7 sur Smith, RPK et Scripps à la M4. Allez, on est parti pour courir du nouveau du côté de ce BPB, attention à Divas peut-être pour prendre un kill. Allez, Smith qui était très très bien positionné, Smith qui peut faire beaucoup de sous là, surtout au Max 7. Smith qui peut prendre l'entry kill donc sur Divas.
Allez, la bonne Molo qui va complètement dîner ce Skyfall, signé RPK pour l'instant. Cette fois-ci, Scream qui va reback au niveau de ce BPA, qui va garder cette ligne. On a la bombe en plus, hein. Il semble qu'on a la bombe. Côté Titan. Non, elle vient d'être récupérée, c'est bon, c'est parfait. Ah, Exy, c'est dommage, il était complètement blanc. C'est Exy qui va en profiter, qui pourra prendre le bon kill. Kajum qui enchaîne également sur Shox. C'est du 3v3. Attention, attention. Smith qui est bien positionné au niveau de ce poulailler, finalement, qui va tomber sous les balles de Karrigan. Très, très, très méfiant, Karrigan. C'était bien vu. Allez, RPK pour prendre un bon kill sur Exy. Ça va très, très vite. Reprise de BP pour l'instant, donc à venir côté Titan. Allez, Scream pour prendre un premier bon kill sur Karrigan. Peut-être le deuxième. C'est du 1v1. J'en doute un peu de où est-ce qu'il est. Ah, il a été vu. Il le bait absolument. Ah, ça c'est bien vu. C'est très très bien vu. Allez, Scream pour prendre le bon kill sur Kajum. Alors, ça va passer, ça va pas passer. Oui, ça va passer. Allez, Scream pour prendre donc finalement ce dernier kill. Et bien joué. Et ça fera donc 5 à 4 en faveur des Titans. Des Titans pour l'instant qui ne lâchent rien. Je vois qu'on est quand même assez assez focus au niveau de ce BPB. Hein. TSM qui ne lâche pas ce bomb site B. Ça c'est très très bien joué. Du coup, allez Shox. Pour reprendre au niveau de ces deux équipes. Shox qui ressort la WAP. Pour l'instant on est full Kevlar. Pas de casque. Et c'est un force buy également. Donc côté... côté TSM, on a planté de toute façon, donc c'est bien vu. Allez, Karrigan déjà pour prendre les tri-kills directement sur Smith. Smith, il va falloir changer de tactique à mon avis. C'est du tout vu cette fois-ci côté TSM. On est complètement blanc côté TSM pour l'instant. C'est du 5v4, toujours avantage avantage côté Tero. Allez, Dupré. Ouh, Dupré. Dupré qui a pris un énorme one bullet de la part côté Exy. Se trouve à 14 HP, c'est pas fou, hein. C'est vraiment pas fou. Il essaie d'esquiver un petit peu les balles. Allez, Exy pour finaliser au niveau de ce kill sur Dupré, c'est du 4 contre 4. Allez, Karrigan qui va tomber sous les balles d'Exy également. Device pour prendre un bon kill sur Exy, c'est très très bonne revenge. Shox qui enchaîne également sur Device. RPK prendre un bon kill sur Kajum, et là c'est du 3v1. Exy qui est un peu tout seul malheureusement. Allez, va-t-il le faire, clairement, ce clutch annoncé. Allez, premier bon kill de la part de Xib sur RPK. Faut la reprendre cette bombe, faut vraiment la reprendre, va falloir prendre ce bon kill. Ah, et Shox qui est très très bien. Bien positionné avec son AWAP qui va prendre le bon kill sur Xib. Il restait 9 secondes, va lui faire quelque chose. Ça a été fait, du coup les Titans qui reprennent la tête de ce match maintenant 6-4. C'est bien, c'est plutôt assez safe. Au niveau de cette défense, ça s'est bien vu. Allez, du coup, on va repartir donc dans cette 11e manche, toujours 6-4 comme je le disais en faveur des Titans. Il va déjà pour prendre, qui va tomber hein, malheureusement sous les balles de Smith. Smith qui nous a sorti un MP9. Dunfire, Dupré pour prendre la bonne tête sur Shox. Scream qui enchaîne également sur Dupré sur un excellent revenge. Et c'est déjà du 4 contre 2. On va essayer de planter cette bombe côté TSM, ce serait vraiment pas mal. Oh, Kajum pour prendre énormément sur Xip, ça c'est bien vu. Scream pour revenge sur Xip. RPK qui va tomber sous les balles. Non, RPK qui va prendre, pardon, le kill sur Kajum. Et ça fera 7 à 4. En faveur des Titans. Là, va falloir penser à faire une écho quand même côté TSM, ce serait bien. De monnaie qui est pas foufou. Vous savez ce qu'ils vont faire. On va sortir un Deagle, un P2, un CZ, deux P2 pardon et deux Deagle. Allez, faut se reprendre entre ces deux équipes pour l'instant. Les Titans qui marquent leur défense sur cette map de Cobblestone. La bonne HE qui a mis très très mal notre ami Device, un 29 HP, c'est pas dingue. Pourtant on a laissé complètement la bombe off.
Allez, Scream pour prendre les trickles sur Carrigan. Peut-être Smith pour prendre un deuxième kill également sur, sur notre ami donc Dupré. Allez, Zip qui a pris la bonne, le bon kill également sur Shox. Smith qui s'en tire à 24 HP, c'est pas dingue. Oh, RPK! RPK, c'est dommage. Kajun qui va prendre le beau One Bullet. Device qui enchaîne également Dupré pour prendre la bonne tête sur XZ. Et là, 3v1. 3v1 signé TSM pour l'instant. C'est très très bien joué. 52 secondes, va falloir planter cette bombe. Allez, Scream. Scream en 3v1. On peut clairement le faire, notre ami Scream, on le sait. Ah, mais c'est pas passé du coup, c'est dommage. Scream qui va tomber sous les balles d'AK de Device, ça fera 7 à 5. Les TSM qui n'ont pas dit leur dernier mot. Hein. Alors, du coup, ben, cette fois-ci, c'est changement de rôle, c'est les Titans qui sont pas forcément dans un très très bon, dans une très très bonne branche économique. Du coup, on va partir faire une écho. Sortie 4 P2. Miss qui va rester à l'USPS. Allez, il y a XZ, RPK, Smith pour l'instant à la défense de ce BPB. On le sait, hein, les TSM, ils adorent ce BPB. On est passé au niveau de ce Skyfall. Côté TSM. Allez, XZ pour prendre déjà le premier kill sur XZ. Divas qui enchaîne également sur RPK. Smith qui va prendre un bon revenge. Bah, il est très très chaud pour prendre le bon kill sur Smith tranquillement. Hein, vraiment très très tranquillement côté TSM. C'est bien joué. On a réussi à faire tomber qu'une seule arme malheureusement. C'est dommage. Allez, prochain round armé. 14e manche. Donc avant. Avant dernière manche de ce premier side, on va prendre donc un max 7 côté Scream. On a sorti deux AWAP cette fois-ci, donc Smith et Shox pour prendre la AWAP. Exi à la M4, RPK toujours à la M4 également. Et donc 4 AK côté TSM, une M4 qui a été récupérée juste avant par Dupré. Je vous récapitule les scores toujours pour l'instant, c'est Titan qui mène donc 7 à 6. On est toujours sur Cobblestone. Allez, Smith déjà pour prendre l'entry kill sur Diva. Ça, c'est très très bien joué. Une très bonne défense. Kajun qui va prendre le bon kill sur XZ. XZ malheureusement qui s'était un petit peu trop avancé, c'est dommage. Et en situation donc de 4v4 pour l'instant. XZ qui va prendre un bon kill sur Scream. Carrigan qui enchaîne également sur Smith. Attention, c'est du 4v2. RPK qui va prendre le bon revenge, ça c'est bien joué sur Kajum. Attention, on est passé au niveau de ce BPB, on s'en doute un peu. RPK très très bien joué. Oh, le 4v2 qui va se transformer finalement. Donc en 2 vs plus personne finalement. C'est bien joué, la défense qui a été solide hein, du côté de ce BPB. Ça fait 8 à 6. Toujours les Titans qui sont devant. Allez, on va pouvoir acheter, hein, ça c'est bien. On va pouvoir acheter donc côté TSM. Et on est parti donc pour cette dernière manche de ce premier side. S'attendre à un petit 9-6 côté Titan, ce serait bien. En tout cas, c'est mal parti avec Device déjà qui va prendre un tricky sur Shox. Ça, c'est dommage. Il n'a pas de tenue. Allez, Dupré pour prendre la bonne tête sur Smith. RPK qui enchaîne également sur un excellent revenge. Ou RPK qui va tomber dans cette molotov. Signé Carrigan. Kajum qui enchaîne également sur XZ. Scream pour prendre le bon kill à la WAP sur Kajum et Scream malheureusement qui se retrouve en situation donc de 1v3 de nouveau. La bombe qui elle est plantée du côté donc de ce BPB et on l'attend, on a eu l'info de toute façon de notre ami Scream qui est clairement obligé de le jouer malheureusement. Ah, ça ne passera pas malheureusement. Allez, switch des deux équipes, du coup on va pouvoir repartir donc ce deuxième side pardon. Allez, redémarrage donc redémarrage donc sur le serveur. On est parti donc pour ce deuxième side entre T
Team Solomid et Titan, je vous le rappelle que pour l'instant c'est toujours Titan qui mène. Il mène de 8 à 7 sur ce premier side. On va partir directement donc dans ce deuxième side. Allez, on est parti sur du côté en direction de ce BPB. Tout de suite donc premier deuxième GR. Attention, on passe là pour l'instant avec RPK qui s'est bien lancé au niveau de ce Skyfall. RPK peut-être pour prendre un premier gros kill. Malheureusement c'est Scream qui va prendre premier sur Kajun. Qui enchaîne également sur Exy. Prêt pour prendre la bonne tête sur RPK. Allez, Scrims qui va tomber malheureusement sur 3 balles des Device. Shox qui se retrouve un peu tout seul, qui va prendre un bon kill sur Device, mais qui n'en trouvera pas un deuxième malheureusement. C'est Dupré qui va revenge et sera fort 8 à 8. Les TSM qui sont très très bien pour l'instant. Allez, 8-8, égalisation donc des TSM. Et reparti donc dans cette prochaine manche directement en espérant que les Titans puissent revenir au score. Je vous rappelle qu'on est en force buy donc côté Titan. On a sorti donc un Tech 9, 2, 3 P2, 1 CZ. Allez, RPK déjà pour prendre un free kill sur Dupré, ça c'est bien vu. Karrigan qui va prendre un bon kill également sur RPK. Un excellent revenge, hein. Scream pour prendre la bonne tête sur Karrigan, Device qui enchaîne également sur Exy, Kajun pour prendre un bon kill sur Shox. Et on est en situation donc de 3v2 pour l'instant, avantage côté TSM. Et Scream qui va tomber, Zip qui va prendre également un bon kill sur Smith, ça fera donc 9 à 8 pour l'instant les TSM qui n'ont pas dit leur dernier mot, qui posent leur jeu. Ils posent leur défense, peut-être CBPA, et ça va passer. Team Solomid qui va partir donc prendre la tête de ce match. Et cette fois-ci, donc Echo, hein, malheureusement, côté Titan, vous pouvez s'en douter, on a sorti un bon gros max-up côté Xip. 2 MP9, une M4 qui a été récupérée, non, qui n'a pas été récupérée, qui a été bail, autant pour moi. Et un FAMAS, donc sur Dupré. 1 minute 30 à jouer pour l'instant, très très tranquille, hein. On va essayer de passer au niveau donc de ce BPB. On est 3. Allez, Shox pour prendre la bonne tête donc sur Device, ça c'est bien joué. On est en situation donc de 5 et 4. C'est Shox qui s'en tire par action, par contre à 25 HP, c'est pas dingue. On va rediriger directement tout de suite, ça c'est bien vu. De la part des Titans. Peut-être pour prendre un kill du côté de cette longue. Peut-être longa en tout cas. Et à nouveau redirection entre deux titans. Allez, Smith pour s'avancer déjà au niveau de cette longue B. Attention, Smith qui s'est très très bien avancé. Voilà, qui va peut-être pouvoir prendre le premier kill. Allez, on prend les infos avec Exy pour prendre un bon kill sur Exy. Exy, malheureusement, qui va tomber. Voilà. Du coup, RPK qui est tombé également. Shox aussi. Smith qui va tomber sous l'épaule de Kajum. Il restera plus que Scream. OP2, 1v3 de nouveau. Ils sont souvent en situation de 1v3, malheureusement. Hein. Scream. Il va donc tomber sous les balles de Karrigan. Et ça fera donc 10 à 8 pour l'instant la défense qui ne lâche pas. Hein. Allez, premier round d'armée entre ces deux équipes. Cette fois-ci, on n'a pas forcément sorti la web, donc c'est full AK en face côté Titan. On va rester au rifle également côté TSM. Alors, côté Titan, qu'est-ce que ça nous dit? Pour l'instant, on est donc au niveau de cette longue baie toujours. On est complètement smoke pour l'instant. On va pas essayer de forcer plus que ça. Et Smith qui a toujours la bonne coupe, hein, au niveau de cette cuvette, ça c'est bien vu. Allez, on va essayer de mettre peut-être une bonne smoke, hein, côté Shox. Sauf qu'il va pas tarder à partir.
Voilà, c'est bien vu, on va essayer de prendre un bon kill du côté de ce Skyfall, ça c'est bien vu, Exy pour prendre un bon kill. Déjà, sur du pré, c'est du 5v4. Oh, les titans, ça c'est bien joué ce qu'ils ont fait là. Passer au niveau de ce connecteur, on va diriger du côté de ce BPA, mais attention, Karaga qui est au niveau de cette Tonga, voilà, qui finalement va tomber, ça c'est bien vu, signé RPK, 40 secondes à jouer, la boucle qui va être plantée, et on a énormément de low HP côté titan, hein. On a Exy à 4 HP, RPK 6 HP, Scream à 13 HP, et donc situation de 5v2. Malheureusement, ils vont pas la jouer, hein, côté TSM. Ils vont pas forcément la jouer, attention à Shox. Ah, Shox qui était très très bien positionné, qui va prendre un bon kill. Buzz pour l'instant qui est donc tout seul au niveau de cette hauteur, au niveau de ce T-spawn. On va essayer de se faire... Ils vont aller le chercher, ils vont clairement le chercher. RPK pour l'instant qui est bien placé. Il vient d'être... repérer je crois notre ami Device. Du coup Titan qui va mettre le 9ème round. Allez c'est pas fini entre ces deux équipes, c'est bien 10-9 toujours pour l'instant, c'est très très serré entre ces deux équipes. On va partir donc dans un force assez dégueulasse hein, j'ai envie de dire même pas non ce sera pas un force. Du coup on a juste pris un Kevlar à côté du pré. Quasiment full Deagle à part sur Karagan qui lui nous a sorti un P2. Et Neko va falloir que Device fasse le taf hein, avec sa M4. Il va pas falloir les lâcher cette fois-ci. Allez, voilà, Device ça c'est très bien. Device qui va prendre l'entry kill donc sur Shox. Ça fait une arme de récupérer, c'est ce qu'il fallait. Et notre ami Kajun qui va pouvoir en profiter. Ah, les titans qui sont tous quasiment stack au niveau de cette cuvette, on va essayer d'agresser au niveau de ce BPA. Voilà la bonne smoke qui va complètement deny ce connecteur. Et attention à la défense, on est déjà 3, hein, maintenant 4 au niveau de ce BPA, on le sait, on le sent. Divas qui va prendre la bonne tête sur Exy, Scream qui enchaîne sur un bon revenge, Smith qui enchaîne également sur Karian. Avec Ajun très très bien se positionné qui va prendre un bon kill sur RPK du prix qui enchaîne sur Scream. 3v1, Smith tout seul, malheureusement Smith pour prendre la bonne tête sur Kajun va tomber. Finalement c'est dommage. Pas pourquoi le TSM on fire quand même hein. Je veux dire les titans qui agressent au niveau de ce PR, on est déjà 4 au niveau de la défense. Il y avait plutôt intérêt à ce que le round de défense puisse fonctionner. Hein. Allez 11-9, c'est pas fini. Toujours la team solo mid devant. Avec deux petits points d'écart. Bon, en vitesse, faire un tour du côté des scoreboards. Donc, notre ami Kajun pour l'instant qui est premier du côté TSM avec 18-13, Device 15-14, Dupré 14-13, Zip 13-11, et pour terminer, Karagan à 14-12. Côté Titan pour l'instant, on a donc notre ami Scream à 14-12, Exy 7-17, pardon, RPK 17-15, Shox 13-13, et pour finir, Smith qui est à 12-17. Hein, 12-17. Qui est, il est vraiment pas chaud. Hein. Allez, Exy déjà donc pour prendre 10 3 kills sur Xib, Kajun qui revenge instantanément. Ça fait donc du 4v4. On peut donc constater donc, que Smith qui est au niveau de cette tuyau qui a la bombe RPK pour prendre la bonne tête sur Karagan, pardon, Dupré qui revenge instantanément. Les revenge qui partent assez vite. Hein. Scream pour prendre la bonne tête sur Dupré, c'est du 3v2. Toujours avantage côté Titan, Kajun qui est très très bien positionné, qui va peut-être pouvoir prendre un bon kill. Voilà, c'est fait, c'est sur Scream. Scream qui est complètement raté malheureusement. Device pour prendre la bonne tête, le bon kill pardon, sur Shox. Smith qui enchaîne également la bonne tête sur Device. Il ne restera plus que notre ami Smith, c'est du 1v1. Smith qui va pouvoir planter directement la bombe. Allez, situation donc de 1v1 comme je vous le disais. Smith vs Kajun. Et à mon avis, Kajun qui risque de prendre un bon one bullet. Ou peut-être pas. C'est bien joué de la part du CT. Il était très très méfiant. Et ça fera donc 12-9 les TSM qui, clairement, sont plutôt bien posés au niveau de cette défense. Des très très bonnes revenge qui passent instantanément. Et il va falloir se réveiller hein, côté Titan. Et à mon avis, ce sera pas forcément du côté donc de ce... round là à moins que
Allez, RPK pour prendre un Sawed Off. Du coup, c'est Force Bike côté Titan. On a du Kevlar casque, on a sorti 4 Tech 9 et là ça va courir. Hein. Ça va courir, ça va pas s'arrêter. Shox déjà pour prendre la tête de ce train, tout simplement. Shox qui est passé donc au niveau de ce BBB. Il va ce qu'il ne l'a complètement pas vu. Exy pour prendre un bon kill sur Gibbs, ça c'est bien vu. Kajum le double kill sur Shox et sur Exy. Allez, c'est très très bien joué. Smith pour prendre la bonne, le bon kill sur Kajum. Spring qui enchaîne également sur Device. Dupré pour prendre le bon revenge sur Smith. C'est du 2v2. Allez, le force break qui a l'air de pouvoir passer. Il faut la planter cette bombe RPK. Il faut absolument la planter. C'est très très important. Allez, Dupré, attention. Oh, ça c'est bien vu. Scream pour prendre la, le bon one volley sur Dupré. Situation donc de 1v1. Karrigan vs Scream. Qui a tous ses HP, mais heureusement notre ami Karrigan qui lui est à 35 petites HP. Ah, il l'a repéré, notre ami Scream. Ah, Scream qui va tomber malheureusement. Dommage. Scream qui va tomber donc sous les balles de Karrigan, c'est vraiment dommage. Ah là 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 là, c'est... Je sais pas comment l'expliquer celle-là, mais vraiment, il avait toutes les cartes en main, notre ami Scream. Il était tellement bien positionné, et il décale, et il se... Ouais, il se rate complètement. Du coup, 13 à 9, en faveur de la team Solomid. VS Titan, Titan pour l'instant qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal sur ce site. Mais attention, on est vraiment à 3 points de la victoire côté TSM. Faudrait pas lâcher ça côté Titan, ce serait vraiment bien. Allez, on est en round armée de part et d'autre des deux équipes. Dupré déjà qui va prendre un bon kill sur Exy. Attention, Karrigan très très bien positionné. Il a eu l'info que c'est passé au niveau de cette cuvette. 4v4, Karrigan pour le bon kill sur RPK, ça c'est bien vu. Karrigan toujours. Karrigan peut-être encore. Non, ce sera pas. Ça passera pas malheureusement. Smith qui était là présent également pour prendre le double kill. Scream qui enchaîne la bonne tête sur Xip, il ne restera plus que notre ami Divas. Divas qui est complètement blanc malheureusement. Et au niveau donc de ce transfert, pousse. Là pour l'instant, allez, Smith qui a la très très bonne ligne. Ah, Smith qui est bien positionné, ça c'était bien vu le... Bien vu le placement, très très bien vu. Smith qui, veut... qui aura fait un énorme round hein, du coup. Allez, le 10e round enfin qui part en faveur des Titans. Ça fait donc du TSM versus Titan, toujours 13 à 10. On est parti donc sur un force buy assez dégueulasse, hein, côté TSM. On a sorti donc un max 7 de CZ, 2 M4 également et full Kevlar quasiment sauf sur Kajum. Lui va la jouer contact, à mon avis, avec son, son max 7. Ah là, c'est très bien comme il est positionné. Allez, premier kill de la part de Kajum. Le deuxième qui ne passera pas malheureusement, c'est Xy qui va s'en occuper. Divas qui enchaîne un bon kill sur Xy, Xy qui enchaîne également sur Smith. Ça c'est bien vu, c'est du 4v1 déjà. La défense on fire au niveau de ce BPB. Shox pour prendre finalement une bonne tête sur Dupré. Donc c'est du 3v1. Shox qui est tout seul malheureusement, qui a été repéré. Je pense qu'il vient d'être repéré par notre ami Device. On va essayer de décaler. Allez, 45 secondes, il faut faire quelque chose, notre ami Shox. Allez, premier kill de la part de Shox, peut-être un deuxième. Ah, il est blanc, il est blanc, il est complètement blanc, notre ami Shox. Allez, il faut se bouger, notre ami. Allez, Shox, tu peux le faire. Ah, ça passera pas malheureusement. Allez, 14e round qui arrive en faveur des TSM. Et donc, on est quand même à 2 points de la victoire hein, côté Team Solomid. Attention, Titan. Attention. On a mis que 2 rounds hein, quand même côté Terro, c'est pas énorme. Allez, pour l'instant, donc on est de nouveau en force buy côté Titan et ça court hein, du côté de cette longue baie. On a mis une smoke déjà. On smoke instant, Shox qui est passé. Non, il ne passera pas du coup. Il est passé du côté de ce BPB.
Premier bon kit de la part de Shox, le deuxième également. Sur Divas, ça c'est bien vu, le vas-y, je te cours dessus et je mets des one bullet. Exi qui va prendre un bon kit sur Kajum. C'est une situation donc de 4v2. Toujours côté, toujours en faveur des Titans. La bombe qui vient d'être plantée. Alors, est-ce qu'ils vont la jouer les TSM ou non? Apparemment non, on est parti pour équipe complètement. 11ème round en faveur des Titans, c'est bien joué. Alors je sais pas, ça me fait un peu rire ce que tu dis, Mackay. Genre en mode la co et en Lorraine est vraiment nul à chier. Que j'y suis actuellement en Lorraine, hein, et personnellement, moi j'irai pas à me plaindre. Quoi qu'il en soit, du coup, donc 11ème round en faveur des Titans. Allez, va falloir se réveiller côté français, il est temps. TSM du coup qui sont obstinés à vouloir mettre le 15e round et je le comprends hein, vraiment. Du coup on va partir donc sur un force buy côté TSM, Zip et Device Gajum qui ont pu prendre un P2, un Deagle et un Tech 9 avec full Kevlar. Allez, on est reparti donc toujours entre Shox. Fox pour l'instant qui prépare au niveau de cette longue B. Allez, RPK DJ finalement qui va prendre cette tête triquée sur Karagan, ça c'est bien vu. On tira pas beaucoup hein, quand même, RPK 28 HP c'est pas énorme. Oh, Shox qui va prendre un énorme one de la part de Xib. On est passé au niveau de cette cuvette, RPK deuxième bon kill sur Device. Il fait un bon de petit 2K, Easy pour prendre également la bonne tête sur Easy, ça c'est très très bien vu. RPK, RPK, le triple kill sur Dupré, il ne restera plus que notre ami Gajun pour l'instant qui est tout seul. Il est au Deagle, il va essayer de prendre à mon avis, je sais pas s'il va la jouer. Je pense que oui. Ok, RPK finalement qui aura fait son petit 4K. C'est bien vu. Allez, 14 à 12, les Titans qui ne disent pas non, qui ne disent pas, qui ne crient pas défait, ne crient pas défaite, pardon. 14-12, c'est pas terminé. Round d'écho à suivre côté TSM, donc peut-être le 13ème round forcé côté Titan. Allez, 4 à 4, 4 côté Titan, pour l'instant on va temporiser, je pense clairement, parce que vraiment... Je pense qu'on s'en doute un petit peu quand même qu'on est en écho, donc on a peur d'un rush clairement, donc on va se sécuriser. Allez, pour l'instant on n'a pas perdu d'armes, on a déjà pris des informations au niveau de ce BPB. Pour l'instant on a Shox qui va prendre un trick kill sur Kajun, ça c'est bien vu. Allez, Titan qui enchaîne finalement, qui a complètement rotate, qui va arriver au niveau de ce BPB, on a pris un entry kill. Attention, Karagan très très bien positionné. Oh, Exi, ça c'était vraiment nice parce qu'on a entendu, on entendait Karagan qui fonçait sur ses Titans pour pouvoir prendre le backup. Et du coup, Exi qui s'en doutait un petit peu, qui s'est retourné, qui lui a dit non, tu resteras ici. Du coup, 13ème round, on n'a pas perdu d'armes côté Titan. Ça fait 14 à 13 pour l'instant, les TSM qui n'arrivent pas à infliger donc le draw à ces Titans. Allez, ça va clairement être le round décisif hein, celui-ci. Et ou alors on le met côté TSM et on peut rebailler derrière sans trop de problème. Ou alors on le met pas, on part en 14-14 voire même 15-14. En faveur Titan, donc c'est vrai, clairement le round à regarder, hein, je vous le dis. Pour l'instant, on a Shox qui est temporisé au niveau de cette longue B, on a Smith et Scream qui avancent au niveau de cette longue A, RPK qui garde en visu donc cette cuvette, Exi qui va venir le support.
Allez, RPK déjà pour prendre un tri-kill sur Dupré, ça c'est bien joué. RPK qui avait la bombe en plus. US qui a déjà rotate. Allez, RPK Easy qui s'avance au niveau de 7 Panta. Kajum qui aura finalement pris un bon pied de choc. Karagan qui va tomber sous les balles de Scream. Attention, device qui. Ah voilà, très très bien positionné, qui a complètement bloché Scream, qui va prendre le bon kill. C'est du 3v3. RPK qui plante. RPK qui voilà, qui plante finalement. Bien vu. Va complètement deny cette hauteur B. Oh, RPK qui va tomber sous les balles de device. 3v2, la bombe est plantée. 3v1 même. Allez, Smith. Smith pour le clutch peut-être. Ouf. Ou Smith. Ah, ça ne passera pas malheureusement. Allez, la bombe qui va être diffuse. Et donc enfin le 15e round en faveur des TSM qui arrive. Et j'ai la GoTV qui a eu un lag. Ok. Ah ouais, complètement. Et du coup 15 à 13, toujours en faveur des TSM. Non, on va quand même pouvoir buy, hein. On va quand même pouvoir buy côté Titan. Donc full stuff partout. Allez, on a l'air de courir du côté de ce BPB. Toujours Smith pour prendre cette cuvette. Karagan qui s'avance au niveau de cette longa. Qui s'est vraiment beaucoup beaucoup avancé même. Karagan qui a eu chaud aux fesses, vraiment. Il a perdu quand même 30 HP avec la molotov de Smith. Allez, le stuff qui part en faveur des titans du côté de ce BPB. On est passé au niveau de ce Skyfall. Premier round de la part de. Premier kill, pardon, de la part de RPK Shox qui enchaîne également sur Xip. Situation donc de 5v3 en faveur des titans. Pour l'instant, le BPB qui est. Les deux BP pour l'instant qui sont complètement coupés. Hein. Allez, la bombe qui va tomber. Scream pour prendre le bon kill sur Device. Kajum qui va tomber sous les balles de. Non, Kajum qui va prendre un bon double kill pardon sur Shox et sur Scream. Il ne restera donc plus que Smith. Situation donc de 2v1. 2v1 Smith. La bombe qui est mal positionnée en plus, c'est vraiment affreux. Ou 2 HP. Et malheureusement ça ne passera pas. Les TSM donc qui s'imposent face au Titan 16 à 13 sur cette map de Cobblestone. Je vois qu'on n'a pas été foufou quand même à côté Titan. Je sais qu'on a eu beaucoup de mal. Du coup, moi je vais vous laisser là.